Oh, ñu ñu jëni pour mu lo barani jallu jëri ni tok man paswa bo ñaare libé manay. Ku ñi la ko kay ma, man ko bonté ku joko poémé manay. Mané jow béré ka fay. Ci béré, musa bandi elima ñamum na wonké nañu ja poyaawolé manay. J'ai rencontré Éric Lemété. Éric Lemété, c'est le président de Planton Utile à la COP21. C'était le seul Français qui a été primé des mains de Ban Ki-moon pour un programme d'entrepreneuriat pour la femme. Nous avons travaillé dans des projets et il m'a confié à des réflexions sur le biocombustible. Et c'est de là qu'il me disait « Que veux-tu qu'on fasse ensemble ?» Je lui ai dit que nous avons des terres. Et c'est ainsi qu'il m'a contacté. Il est venu plusieurs fois en Casamance, à Bignona, en famille, accompagné même de sa famille. C'est sur ce qu'avec un de ses fils, Quentin, que nous avons créé la start-up sociale EcoForum Africa. Mon parcours, étant agroécologue, j'ai travaillé pendant 7 ans et demi à la CEDIMA comme responsable de production offre de consommation. Ensuite, j'ai fait 13 ans de freelance, dans les organismes et associations ONG dans la sous-région. Et pour finir, au niveau de l'ONG Nebedaï, où j'étais responsable de production, de carbonisation, de pressage, marketing et vente du biocombustible. Et depuis 2010, je suis aussi directeur technique de Bati Africa, qui a travaillé largement sur les besoins en énergie et en eau au niveau de la région naturelle de Casamance. Ma motivation, c'est que, confronté à des conditions assez compliqué dans les zones, la dégradation des terres, la protection de l'environnement qui ne cesse de se décroître. Avec l'expérience que j'ai, je me suis dit qu'avec la terre, je peux bien vivre. C'est pour ça que je reviens dans mon terroir pour contribuer au développement local. Confronté à des conditions de vie et de travail difficiles, nous connaissons tous la problématique de changement climatique. Et nous sommes tenus de produire, manger et d'être dans des conditions correctes. C'est sur ce que EcoForum Africa est né pour prouver qu'avec la terre, nous sommes en mesure de produire et de contribuer efficacement au développement. Nous sommes dans la ferme agroécologique de Casamance qui dispose de 50 hectares à laquelle nous y développons l'entrepreneuriat social, l'agroforesterie, le développement durable, la protection de l'environnement, la valorisation des ressources naturelles et tout ce qui est production agro-silvopastorale. Nous avons aussi dans l'enceinte de la ferme une banque de semences pour démultiplier toutes les semences paysannes. Nous avons une unité de transformation respectant la technique de marche en avant et aussi l'école des entrepreneurs qui est un lieu de rencontre et de partage, de renforcement de capacités avec les communautés à la base. Nous avons aussi une porcherie, de l'apiculture, de l'aviculture et deux cases qui nous servent d'abri. Vous savez que pour l'immigration clandestine, le seul problème, c'est l'emploi des jeunes. Les jeunes n'ont pas de sécurité. Ils sont à la recherche de leur propre être. Moi, j'ai décidé de vivre dans la terre. C'est parce que j'aime la terre. Je sais qu'il faut se lancer. Je me suis lancé. Et il faut dire que dans les villages, nous sommes en mesure d'apporter beaucoup de choses et de contribuer efficacement. Moi, ce que je veux personnellement, c'est de partager mon expertise en tant qu'agroécologue dans la protection de l'environnement, dans la valorisation des ressources naturelles et surtout dans l'agroforesterie. Nous savons aujourd'hui que le Sénégal, nous avons signé la transition, la dynamique de la transition agroécologique. Il faut bel et bien des acteurs pour dire que c'est bel et bien possible. Et c'est ce qui me ramène au niveau de mon terroir pour la contribution.
aux jeunes, c'est pour dire, j'avais contribué à l'occasion de la journée de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat à un panel au niveau de l'Alliance française. Nous sommes arrivés à la conclusion suivante. Il faut se lancer, il faut convaincre et surtout prendre beaucoup de courage et d'être dans la persévérance. Et sur ce, c'est sûr et certain que ça va marcher. L'appel que je lance aux jeunes, c'est qu'il faut se lancer et croire en soi-même. Et quand on le fait, ça marche. Au projet programme, qu'ils sachent comment faire pour sélectionner les bénéficiaires et d'aider vraiment la jeunesse.